J'espère que vous allez bien. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, mais en ce moment le décor des vidéos est un petit peu différent et c'est tout simplement parce que avec mon chéri on a décidé d'aller passer une semaine de vacances en Haute-Savoie et on est actuellement dans l'appartement de vacances de ma grand-mère qu'elle nous a gentiment prêté pour la semaine. D'ailleurs grand-mère, si jamais tu passes par là, bah merci encore parce que jusque là ça se passe vraiment super bien. Là on rentre du ski, on était vraiment rincés, on a été prendre une bonne douche et je me suis dit que vu que le décor était un petit peu différent, j'allais aussi aborder un sujet un petit peu différent puisque j'avais envie de vous parler de ma routine capillaire du moment. En fait, il y a de ça, grosso modo, un petit peu plus de 2 mois, j'ai découvert le compte de Laurine qui est La Belle Boucle sur Instagram et qui en fait donne plein de conseils sur comment entretenir ses cheveux et comment un petit peu sublimer la nature de cheveux bouclés. Et ça faisait vraiment un certain temps que je me disais qu'il fallait que j'essaye de mettre plus en valeur mes cheveux et surtout de mieux m'en occuper parce que j'ai un peu l'impression que je casse mes boucles à chaque fois que je les lave et que je les démêle. Et donc je suis ces conseils à la lettre et pour m'aider dans mes démarches, j'ai aussi commandé le kit pour débutantes qu'elle vend sur son site. Donc dans ce kit là il y avait un shampoing, un démêlant, un fixateur de boucles. Alors le shampoing je suis pas super fan, j'ai pas trouvé qu'il cassait 3 pattes à un canard, mais j'aime bien le démêlant qu'il faut mettre juste après le shampoing. Mais surtout ce qui fait vraiment la différence pour moi c'est le fixateur de boucles, La Belle Boucle, qu'on met directement après avoir rincé ses cheveux, après avoir rincé le démêlant, et qui permet de fixer les boucles tout simplement et de faire en sorte qu'elles restent pendant beaucoup plus longtemps. Donc ce que Laurine conseille sur son site, c'est en fait une fois qu'on a lavé ses cheveux, d'appliquer le démêlant et ensuite de démêler ses cheveux à l'aide d'un peigne sous la douche et de rincer le démêlant les cheveux la tête en bas et ensuite de faire le mouvement de
de froissage de cheveux pour former les boucles. Et une fois qu'on a fait ça, d'essorer très légèrement ses cheveux, alors elle conseille de le faire avec un t-shirt en coton pour pas casser la boucle, et ensuite d'appliquer le fixateur. Et donc je fais ça maintenant depuis le mois de janvier, et franchement j'ai vu une vraie différence sur mes cheveux. Je trouve que les boucles sont vraiment beaucoup plus définies, qu'elles tiennent plus longtemps, et d'ailleurs à chaque fois que je sors de la salle de bain et que j'ai fait un shampoing, je vais voir mon chéri, je lui dis oh, ils sont trop beaux mes cheveux, non? Et il l'entend, mais vraiment à chaque fois, donc c'est vraiment qu'il y a une vraie différence. Et j'ai aussi fait tester à ma sœur qui, elle, a plutôt une nature de cheveux qui est relativement lisse mais avec quelques légères ondulations, et elle a fait ça et ses boucles ont tenu vraiment pendant plusieurs jours. Elle avait vraiment des boucles définies, alors que quand elle les fait au fer à friser, en quelques heures c'est redevenu plat. Donc ça fonctionne vraiment, et si vous cherchez quelque chose pour essayer de mettre plus en avant vos cheveux, plus en valeur, et ben je vous conseille d'aller regarder le compte Instagram de Laurine La Belle Boucle, parce que vraiment elle est plein de bons conseils. Rien à voir du tout, mais le gâteau aux pommes que j'ai préparé a bientôt terminé de cuire, donc je pense qu'on va aller prendre le goûter avec mon chéri, et je crois que le reste de l'après-midi ça va être en gros lecture, thé et ensuite préparation du dîner. J'espère que vous allez bien. On est actuellement vendredi midi, on vient juste de finir de manger. Je suis actuellement avec mon bol de thé et je me suis dit qu'avant de partir pour notre dernière balade à raquettes de la semaine, j'allais vous faire une petite update lecture parce que j'ai pas mal de livres dont j'ai envie de vous parler. J'en ai 6 au total techniquement dont je voudrais vous parler, 3 que j'ai lus.
un que je suis en train de lire et deux que j'ai acheté pendant notre virée à Annecy. Alors les deux premiers livres dont j'avais envie de vous parler, c'est ceux-ci. Actuellement j'ai seulement le deuxième avec moi puisque j'ai lu le premier avant de partir en vacances et que je voulais pas m'encombrer. Et ce sont les My Lady de Winter qui ont été illustrés par Agnès Maupré, donc elle a repris l'histoire des trois mousquetaires d'Alexandre Dumas. Et quand je les ai vus dans la bibliothèque d'une copine, j'ai eu vraiment très très envie de les lire et elle me les a gentiment prêtés. Je connaissais déjà Agnès Maupré parce que j'ai lu Au bonheur des dames que j'avais beaucoup aimé. Et en plus, j'aime beaucoup le personnage de My Lady et j'adore l'histoire des trois mousquetaires de Dumas. Dumas est un auteur que j'aime énormément. Donc j'étais hyper intriguée par cette lecture. Et en fait, j'ai été assez déçue de ma lecture qui ne laissera pas un souvenir impérissable, tout simplement parce que j'ai trouvé que les personnages, n'étaient pas vraiment bien représentés, avaient seulement un trait de caractère qui était le leur et qui était suivi tout au long de la BD. Donc à part My Lady qui, elle, est vraiment un personnage qui est bien représenté avec plusieurs facettes, tous les autres, et les hommes notamment, ont seulement un trait de caractère, donc c'est très caricatural. Et je pense que c'est fait exprès, mais moi ça m'a pas du tout accroché, ça m'a pas du tout plu. Et c'était presque avec soulagement que j'ai terminé cette lecture, et dans l'ensemble, m'a vraiment plutôt déçue. Ma lecture suivante, c'est celle-ci, Félicratie par Hélène Lenoir, dont j'avais entendu parler dans la vidéo de Alex Bouquine en Prada, et qui avait vraiment adoré. Donc c'est un roman jeunesse, je me suis lancée là-dedans sans trop me souvenir de ce dont ça parlait. J'avais juste un vague souvenir que, en gros, ça parlait d'une invasion alien et que les hommes avaient été capturés par ces aliens et étaient devenus leurs animaux de compagnie, et finalement c'est assez fidèle à ce qui se passe là-dedans. Donc ce sont le point de vue de deux adolescents qui sont représentés dans ce roman et qui racontent l'histoire de l'invasion du monde par ces aliens et de comment les humains sont devenus les animaux de compagnie et de ce qui se passe après pour qu'ils essayent de reprendre le pouvoir, puisque ces fameuses aliens ont un seul point faible et ce sont les chats. Ils sont ultra allergiques aux chats et dès qu'il y en a un dans les barrages, ils explosent. Donc bien évidemment, ils ont exterminé tous les chats quand ils sont arrivés sur Terre, mais nos deux héros vont trouver une portée de chatons et de là va se découler toute l'histoire. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt rafraîchissant, ça se lit vraiment ultra vite et j'ai beaucoup apprécié ce petit moment lecture. Le troisième roman dont je veux vous parler, je vais pas m'attarder dessus puisque c'est le troisième tome de L'Assassin Royal, La Nef du Crépuscule par Robin Hobb. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois en vlog et je vais pas trop vous en dire pour pas vous dévoiler l'intrigue. Mais grosso modo, on suit toujours les aventures de Fitz qui est le bâtard du roi et qui est engagé par le roi pour devenir son assassin. Voilà, ça s'arrête là, c'est plein de rebondissements, c'est une intrigue qui est assez palpitante, il y a une histoire d'amour, il y a une guerre, il y a des trahisons, il y a des amitiés. Bref, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour faire un bon roman qu'on n'a pas envie de poser, donc c'est avec délectation que je poursuis ma lecture. Et les deux derniers livres dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, ce sont deux bouquins que j'ai achetés pendant notre sortie à Annecy. Et le premier, c'est le volume 9 de L'Atelier des sorciers qui est écrit par Kamome Shirahama. Je sais pas trop si je prononce ça bien, mais grosso modo c'est un manga qui suit des apprentis sorciers dans un monde imaginaire qui est vraiment tout doux, c'est hyper mignon. C'est plutôt jeunesse, mais franchement c'est une petite bouffée de mignonnerie en fait dans le quotidien et j'aime beaucoup suivre ces aventures et c'est toujours avec un grand plaisir que je retrouve nos héros, donc j'ai déjà commencé. Un manga, grosso modo, ça se lit en quoi ? une heure et demie, donc c'est assez rapide, mais c'est vraiment ultra sympathique. Et j'aime beaucoup tomber dans les rayonnages par hasard sur les volumes suivants qui paraissent assez régulièrement, mine de rien, je dirais qu'il y en a un nouveau tous les 6 mois peut-être. Et donc c'est toujours avec une grande joie quand je tombe dessus que je me procure le nouveau volume pour le dévorer. Le dernier livre dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est celui-ci, The Priory of the Orange Tree par Samantha Shannon, que j'avais découvert sur la chaîne de Christy Ann Jones, qui en gros, depuis maintenant plusieurs mois, à chaque fois qu'elle sort une vidéo recommandation lecture, elle met celui-ci dedans. Ça a été un énorme coup de cœur pour elle. Tout ce que je sais, c'est que grosso modo, c'est le Seigneur des Anneaux, mais avec des héroïnes.
donc des personnages féminins. Donc c'est un livre fantastique, ça a l'air d'être un sacré pavé, non c'est pas ça a l'air, c'est un sacré pavé, mais vraiment, elle ne tarissait pas d'éloges sur ce roman, et donc j'ai eu envie de me lancer dans l'aventure, parce que je lui fais entièrement confiance sur ses recommandations, et bien évidemment, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai terminé. J'ai terminé ma diatribe lecture, donc je vais maintenant finir mon thé, il m'en reste un petit fond qui doit être un petit peu tiède d'ailleurs maintenant, et ensuite, on va partir en balade avec mon chéri. Thank you.